Salut à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, la deuxième vidéo FAQ. Allez, c'est parti pour la foire en question avec vous les amis. Chaud, 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 c'est parti, chaud, caca, oh. Première question. Aimes-tu le freestyle? Sachant que j'en ai jamais fait de ma vie, que j'en ai vu que en vidéo, comme des vidéos comme celle-ci, eh ben non, je n'ai jamais fait de freestyle et je pense pas que je tenterai un jour parce que les figures que vous voyez en ce moment, ça donne pas trop envie. Hein. Imagine, je me casse la gueule et je me fais mal, c'est un peu embêtant. Ah oui. Alors là, il y a plein de monde qui m'ont demandé ça. Est-ce que tu feras un meet-up à tel ou tel endroit? Il y avait Cholet, Lyon, Paris, voilà. Eh ben, j'en sais rien puisque déjà les amis, vous êtes tout seul en général à me suivre dans ces villes pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'en ferai quand il y aura peut-être 3-4 personnes, une dizaine de personnes, parce que ça coûte cher de se déplacer. Ça coûte cher de se déplacer et en étant étudiant, on n'a peut-être pas forcément les moyens de se déplacer. Du coup, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. À moins que vous me trouviez un billet gratuit chez la SNCF, je veux bien. Alors, question suivante. Comment t'es venu l'envie de faire les vidéos? Très bonne question. Merci à toi, Julie, qui se reconnaîtra dans la vidéo. Comment m'est venue l'envie des vidéos? Tout simplement, un jour, je faisais un atelier cinéma en 3e, ce qui m'a donné l'envie de commencer les vidéos, parce que aussi, il y avait un ami à moi qui faisait des vidéos, justement, sur sa chaîne YouTube, et qui avait fait le buzz à l'époque, il avait fait 30 000 vues, du coup, je me suis dit, ah, c'est un truc de dingue, on va faire ça aussi, peut-être que j'aurai 30 000 vues. Mais non, je fais pas ça pour les vues. Mais du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, on peut partager son opinion et tout ça. Et je vais commencer avec des vidéos sur le journal de la télé écolo. Et oui, à l'époque, c'était ça, le journal de la télé écolo. Ou la première de la Tour Eiffel que vous pouvez voir là. Tu écoutes quel genre de musique? Alors, au niveau des genres de musique, moi, c'est assez varié. Mais ça reste principalement de la musique commerciale, comme on dit. Voilà, la musique qui passe à la radio en boucle tout le temps, tu vois. Type énergie, Alouette. Alors là, il y a des gens qui vont dire Alouette, Alouette, ça c'est de la merde et tout ça. C'est quoi cette radio pourrie? Ah oui, donc c'est une radio locale, effectivement, que beaucoup de gens ne connaissent pas, sauf ceux qui sont dans l'Ouest et ou alors ceux qui habitent à Angers. Alors, merci à toi, cher Angevine, de m'avoir posé cette question. Avec quoi tu filmes tes vidéos? Alors écoute, je vais te montrer tout de suite avec quoi je filme mes vidéos. Alors voilà comment je filme mes vidéos. Vous voyez là, il y a le grand pied avec le tabouret. Voilà, c'est un peu assez artisanal, mais c'est comme ça que je filme mes vidéos. Et là, voilà, on me voit dans la caméra, juste en face. Vous voyez, ici, hop. Voilà, comme ça j'ai le retour pour savoir si tout va bien. Donc c'est un pied Manfrotto. Voilà, très connu, hein. Il y a beaucoup de gens comme ça, Natou et tout ça, tous les grands youtubeurs comme ça. Mais c'est un pied qui coûte pas très cher en plus. Et une petite caméra. Donc la caméra, c'est une Canon HD, HDMI 1080p qui fait du 1080p, donc c'est déjà pas mal. Effectivement, le mieux c'est du 4K. Peut-être qu'un jour il y aura du 4K sur la chaîne, du moins au niveau du tournage de la vidéo. Quel est ton plus grand rêve pour l'avenir? Mon plus grand rêve pour l'avenir, c'est de gagner plein d'argent sur YouTube. Non, je déconne, c'est pas de gagner plein d'argent sur YouTube, mon plus grand rêve, c'est d'être heureux, tout simplement, voilà. Et soyez heureux, les amis. Peace and love, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que j'ai un projet que j'aimerais faire sur la chaîne? Il y a un truc qui me tient à cœur, ce serait de faire des vidéos de ville avec un drone, comme vous pouvez le voir sur les images qui passent en ce moment. Voilà, c'est des vidéos voilà, où on verrait la ville en drone, avec mon drone et tout ça. J'ai un drone, mais il n'est pas assez performant, mais il est déjà pas mal pour pouvoir filmer. Donc dès que j'aurai un truc un peu plus performant, les amis, et ben je pourrai, voilà, vous filmer de belles vidéos, bien sûr, dans des villes où c'est autorisé de filmer, parce que c'est pas autorisé partout, comme vous le savez. Sinon, vous passez derrière les barreaux. Question très drôle. Est-ce que des personnes te reconnaissent dans la rue? Et donc, du coup, les amis, eh ben non. Hein, y a juste une ou deux fois qu'on m'a reconnu dans le bus, effectivement. Mais sinon, non. Ça n'appartient qu'aux youtubeurs célèbres. Eh oui, bien sûr, les amis. Et moi, je suis qu'un modeste youtubeur. Quelqu'un qui veut, comme tous les jours, avancer dans sa vie, réussir dans sa vie future. Voilà. Une question très intéressante. Quel est ton animal préféré? Eh ben,
Alors c'est un peu con parce que j'ai pas d'animaux préférés. Pourquoi? Je vais vous dire les amis, tout simplement parce que je suis allergique aux poils d'animaux, voilà. Alors du coup c'est un peu embêtant, donc du coup il n'y en a pas à la maison, j'avais pas de chat, de chien, tout ce que vous voulez. Tout le monde est là, oh ouais c'est trop mignon les petits chats ou les petits chiens, mais non, je préfère pas un animal, désolé. Et puis quand même une petite dernière pour la route qui m'a fait bien rire. Quelle était ta pire bêtise quand t'étais petit? Action. Et oui, donc comme vous avez pu le voir les amis, pour cette dernière question, quand j'étais petit, bah, je me suis coupé les cheveux. Voilà, tout simplement, je me suis coupé la mèche. Et donc du coup, après il y avait un souci et je me suis fait engueuler, forcément. Forcément. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à vous tous pour vous, toutes vos questions. Merci à vous d'être là chaque jour, de regarder les vidéos, ça fait très plaisir. On continue les vidéos ensemble, bien sûr, comme d'habitude, avec un nouveau numéro du Stade de France la semaine prochaine et la semaine d'après, un nouveau numéro de Un Objet, Un Abonné et bientôt un nouveau Timeless. Voilà, plein de vidéos qui arrivent. Merci à vous d'être là, d'être de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire constructif, qu'il soit constructif ou pas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, bye. Peace.